Mission 13, c'est parti, danse avec le diable. On va. Alors, je sais pas. Ah oui, on va essayer d'aller récupérer notre pote, la 4, qui s'est fait. Dis son nom. Voilà. Dis son nom. Hershine. Vergile. Je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu as été assez stupide pour t'en prendre à moi. Mais je sais que cette fille tient beaucoup à toi. Donc j'imagine que toi aussi tu tiens à elle. Bof. Sa réaction. Je sais également que tu collabores avec le Néphilim. Je veux le Néphilim. Tu veux la fille. Une fille en échange d'une autre. Intéressant. Intéressant. Mundus en sait encore moins que ce que je pensais. Il connaît seulement mon nom. Il ignore que je suis ton frère et un Néphilim. Elle a dû être forte pour ne rien dire. Ouais, elle a tenu bon. Mais on ne peut rien faire pour elle. Comment ça? Tu ne crois sérieusement pas que je vais échanger ta vie contre la sienne? Non, je dis pas qu'on devrait... Tu es mon frère et la clé de la destruction de Mundus. Non, je dis pas qu'on devrait faire cet échange. Il faut en proposer un autre. Kat contre sa maîtresse Lilith. Pourquoi Mundus s'inquiéterait du sort de cette putain? Parce qu'elle porte son enfant. Quoi? Comment tu sais ça? Quand j'étais à la tour, j'ai rencontré un démon nommé Phineas qui me l'a dit. Il servait notre père. Oui, je connais ce nom. C'est incroyable. Capturer l'enfant à naître de Mundus. C'est pile ce qu'il nous faut pour le faire sortir de son antre. Non, c'est pile ce qu'il nous faut pour sauver Kat. Dante, c'est de la folie. Tu risquerais le futur de l'humanité pour une fille? Kat a vécu l'enfer pour nous protéger. On trouvera un autre moyen de pression. Dante. Il n'est pas question de l'abandonner. Ouais, je vois ça. Très bien. Comme tu voudras, mon frère. Voilà. Lilith, l'amante de Mundus, elle dirige un club très sélect en centre-ville. Sportif célèbre, fils à papa, banquier, ce genre de clientèle. Les substances démoniaques coulent à flot. Les pauvres types deviennent accros et finissent en serviteurs des démons. Hé, hey, elle sera là ce soir. T'entre pas, mon vieux. T'es pas sur la liste. Maintenant, si. Efficace! Cet épisode, c'est pour vous, toutes les futures mères. Hein. Ah bah, ça commence mal.
entendu parler de toi. Oh, c'est calme, hein, ouais. Ouais, j'en dis. Allez, faisons des points. Ah putain, j'ai pas réussi à charger. Allez. Oh, il a vraiment pas été touché. Ah, forcément. Ça me touche. Ah là là, c'est pas vrai, aujourd'hui ça va être un... Je suis même pas S alors que ça fait un paquet de temps que je suis en train de me fight, c'est moche. Qu'est-ce qui t'amène ici? La musique, le champagne, les paillettes? Ici, ou est-ce que tu es là pour cette pauvre petite fleur décharnée? Dis-moi. Je suis venu pour toi, Lilith. Alors ramène tes fesses ici. Ce serait avec plaisir, Dante, mais comment dire? Tu n'es pas digne de moi. Sympa l'ambiance. Bonsoir, mes belles créatures. Imnel, pour. Nous avons une surprise pour vous ce soir. Le nightclub se transforme en fight club. Ah, c'est bon. Le show le plus court. Ah, tu vas te calmer un peu là. Ah! Peut-être que c'est pas la vie. Et on enchaîne. Tu sais vraiment pas à qui t'as affaire, on dirait. Je meurs d'envie de savoir. Eh bien, faisons quelques petits changements. Plus de musique, ça me va. J'ai créé cette petite épreuve spécialement pour toi, Dante. Je suis pas là pour tes petits jeux. Oh, c'est bien. C'est simple, Dante. Si tu survis, je daignerai t'accorder une audience. Autrement dit, je m'occuperai moi-même de t'exposer la cervelle. Oh, facile. Si tu échoues, alors toi et ta petite pute, sinon, je vais jeter le crocodile. Ah.
paradis. Voyons voir ce que ça donne. Oula. Oh, j'ai aucune idée du chemin. Ah merde, c'est par là. Oh, ça fait chier. Ok. Commençons si tu veux bien. Le premier round devrait être du gâteau pour un. Oh là là, t'as une seule tête. Dégage. Vous voyez au sol il y a des traces, il faut que je reste avec la même couleur. Enfin, en gros, si c'est rouge, il faut que je sois démoniaque en mode démoniaque. Si c'est blanc, faut que... enfin, si c'est bleu, il faut que je sois en angélique. Ouais. Voilà. Next. Bien sûr. Ça me va. Au pire, non. Voyons si tu es. T'as tout à me proposer ? Et c'est parti. D'accord. Voilà. 19 secondes, c'est fait. La sortie, c'est où? Pardon. Oh, il était planqué derrière lui, le fou gars. Ah, dégage. Pardon, Angélique, elle est un peu chiant. Ah, j'ai loupé. Oh, on l'a vu, hein, le tout petit truc là de le filet, on va dire, là, mais... le seul de discothèque bleu là qui arrive pile au bon moment. Ouais, sorti s'il vous plaît. Ah. Ah, c'est par là. Non mais. C'est là que ça devient intéressant. Facile. Ouais, on va laisser poser les gars. Voilà. Suivant.
Mundus te cherche pour te prévenir. Il t'a rencontré pour la première fois. Tu t'en souviens, non? J'ai hâte de voir sa tête. Comme je lui apporte le faire gâteau pour les dessécher. Allez, ça c'est fait, on va aller se couvrir. Ah, et les gardants du morceau pour eux. C'est dégueulasse, hein, tu sais, avec ta sale gueule. Essaye de rien satisfaire du tout, parce que là. Ah. Bon, là, on sait ce qu'on utilise, les gars. Allez, mets les plans. Ah mais ouais, carrément, il se réveille comme un dessus. Ah, il se réveille pour se barrer en plus, quoi. Casser de la démone. Alors, finis ton plan. Immédiatement. Round 6, fight. Ah, je crois que c'est la version au-dessus, quoi. Pas à base de trucs bleus, ça marche pas. Ah bah on va le taper à base de, d'armes démoniaques, ça c'est pas grave. Hop. Ah, j'ai peut-être mis un coup de trop. Ah bah là, un chac, c'est ça. Là c'est compliqué. Là. Je vais un peu vénère lui. Hein. Il a perdu son poteau, il était un peu vénère. Hein. À ton tour, Barbie.
À ton tour, Barbie. Je te défoncerai Ken la prochaine fois. Voyons voir ce que ça donne au niveau des points. Ouf, ça c'est bon. Ouh, ça c'est bon, ça devrait passer, hein, je pense. Oh, ça passe pas. Yeah! Yeah! Et voilà, on a défoncé cette mission. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera lors de la prochaine mission. C'était Thiob. Ciao!